Surdoué, il a été l'un des grands animateurs de la vie musicale à Québec pendant plus d'un demi-siècle. Gagnant du prix d'Europe pour le violon en 1933, il fut l'un des fondateurs du Cercle philharmonique de Québec. Officier commandant de la musique du Royal 22e Régiment pendant 24 ans, il a été son plus illustre directeur musical. Directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Québec, il fut chef de pupitre des seconds violons et travailla pour Radio-Canada à plusieurs titres. Il fut professeur titulaire au Conservatoire de musique, président des concours Couperin et président de l'Association des musiciens du Québec. La présence du Chœur de Québec ce soir est intimement liée à ce grand homme, car son directeur musical est l'un de ses fils. Nous rendons un hommage posthume largement mérité au légendaire capitaine Edwin Bélanger. Funicula.